Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est Tekken 3, donc c'était mon tout premier jeu de combat sur la PlayStation 1. Donc vraiment, j'ai vraiment kiffé ce jeu, vraiment, avec des bons graphismes pour la PlayStation 1. Pour moi, c'était pas trop dégueulasse. Et on va se laisser cette petite cinématique pour commencer. Et voilà, Tekken 3, les amis, on va commencer tout de suite. Vraiment, ça va être vraiment quelque chose de très sympathique. Donc c'est vous pouvez jouer en mode arcade, vous pouvez faire un petit mode aventure en Tekken Force mode. Donc on va un peu vous montrer ce jeu plus en détail. Donc comme vous avez vu à la cinématique, vous avez à peu près tous les persos dans ce jeu. Donc on va tester tout de suite. Donc pourquoi Tekken 3? Parce que j'ai pas testé le 1 et le 2. Donc bah, je vais vous montrer le 3, parce que voilà, je connais pas mal le jeu. Je vais débloquer un petit peu tous les personnages. Allez, donc on va commencer par le mode arcade un petit peu en appuyant sur A. Voilà, donc j'ai débloqué tous les personnages. Désolé pour le spoil, excusez-moi. Je savais pas comment comment enlever la sauvegarde. Donc on va prendre Jin. Par contre, on a une espèce de petit bug de son, une micro coupure de une demi seconde. Donc c'est un petit peu con. Donc ça, à mon avis, ça vient de Kamsaya Studio. Oh, attends, je vais te bousiller la tête, attention, je vais te démonter, voilà, voilà, moi je te prends, allez, tac, tac, je suis énervé quand je vois ce jeu, je suis vraiment énervé, allez, c'est parti, on y va, go, 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 ah, c'est énorme, ce jeu, vraiment, ça me donne beaucoup de souvenirs, j'ai vraiment bien aimé, attention, je suis vraiment énervé dans ce jeu, donc vous avez des techniques, donc vous appuyez sur la touche K, X, donc X sur la PlayStation 1, pour taper du point, mais vraiment vous attaquez 2 points, donc vous faites 2 points. Ensuite vous prenez le triangle, ben vous faites aussi le point, vous prenez le triangle et vous prenez le carré, donc ça vous fait un petit combo, et vous prenez le pied avec B pour lui mettre une dérouillée. Voilà, on reprend un petit peu expliquer Tekken. Ben, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, vraiment une énorme variété de coups. Donc on va un peu regarder les commandes. Vous voyez qu'il y a énormément de commandes qui s'offrent à vous, hein. Je mens pas sur ce point-là. Ok, il y a pas mal de trucs, il y a des coups spéciaux et tout ça, il y a du fatality, etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de trucs, hein. Personnellement. Vous en avez pour votre argent, en plus c'était pas très cher en ce temps-là, donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup et que je suis un pro à Tekken, hein, je plaisante. Mais vous voyez que ben là je la démonte très très facilement. Perfect les amis, regardez une petite technique spéciale. Donc j'essaie de faire une petite technique spéciale. Vous devez commencer, allez bien. Allez, non mais non. Mais non, mais pas comme ça. Non. Allez, comment on fait pour faire une technique spéciale? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On me dégage. Non, pas moi, pas moi. Non, commence pas, Ziaou. Non mais viens là. Ah, j'ai failli faire la technique spéciale mais j'ai pas réussi. Et en plus concernant les stages en question, vraiment très très bien retranscrit pour du Tekken, vraiment j'ai vraiment kiffé vraiment les stages. Bon, il n'y a pas d'interaction avec du terrain, genre on peut casser des
je sais pas, des cartons, des immeubles ou quoi que ce soit pour le moment, mais ça reste vraiment très très sympa. Bon, c'est pas une énorme durée de vie non plus pour un jeu de combat, mais il y a vraiment beaucoup de personnages, comme je vous ai montré, à l'écran principal. Donc ça reste vraiment très très sympa. Oh, alors il m'a fait un coup de tête là, j'ai fait crever. Attention là, je vais pas crever. Ah, dégage! Oh putain! Je croyais que c'était moi qui l'avais tué. Ah mais alors ça, tu vas te prendre une grosse dérouillée, mon pote. Non mais vas-y. Mais vas-y doucement là. Comment ça se fait que pendant la vidéo je galère et quand j'étais petit je galérais jamais. Non! Putain, lâche-moi. Dégage. Et arrête de me lancer des coups de poing dans la gueule. C'est ça, c'est... Oh putain, non pas ça hein. Je veux gagner pour vous montrer que j'ai un PG, je suis un PGM hein. Dégage. Ah, voilà, je suis trop content, je t'ai démonté. Bon, il y a un petit peu de sang, mais bon, là, c'est pas trop dérangeant, hein. c'est pas trop retranscrit, comme quoi c'était vraiment vraiment très très sanglant, contrairement à un Mortal Kombat, qu'on m'a dit vraiment, quand ils font un Fatality, excusez-moi, bah c'est vraiment sanglant, et ça peut être sympa, donc je mettrai un Peggy 12, pour Mortal Kombat. Mais je mettrais peut-être un Peggy sur Tekken, genre je sais pas trop, parce que voilà, c'est pas sanglant du tout. Et pour la communauté que j'ai, c'est pas vraiment quelque chose qui vont vous faire peur. Bon, il y avait du Slender, donc c'est pour ça que j'avais mis un Peggy 12 plutôt, excusez-moi, lors du fest commentary que j'avais fait. Bon, ça date un petit peu quand même. Non mais toi tu vas pas me faire chier, toi. Non mais casse-toi, mais qu'est-ce que je t'ai fait là? Non mais t'es sérieux? Oh putain. Oh, ça commence super bien, les gros fails reprennent, c'est cool, c'est magnifique. Allez toi, vas-y, casse-toi. Ah, bah, je sais pas ce qui se passe. J'ai un putain de bug de son, je sais pas ce qui se passe là. Enfin, comment dire, je sais pas comment dire, mais j'ai le son qui se barre un petit peu en couille. Oh, je l'ai marché dessus, énorme. Dégage. Putain, je voulais faire une technique spéciale là. Ouh oui, technique spéciale, regardez. Oh eh ouais les amis, je rigole pas moi, imagine dans la vraie vie je fais ça, mais c'est énorme. Toi tu veux pas me faire. L'autre tu vas me faire chier, allez casse-toi. Je te démonte la tête. Allez dégage. Allez. Non mais c'est bon, je veux pas me faire chier vraiment. Toi c'est chic comme Tazia bug à chaque fois. Fraps le. C'est un bon moyen pour filmer. Le problème de Fraps, c'est que quand vous faites un rec bah, lors d'une partie en question, et ben vous pouvez plus régler le son du jeu ou le son de votre voix parce que c'est sur une seule piste. Voilà tout. Ou alors il y a un moyen de séparer la piste audio et la piste vidéo, mais ça je n'ai pas trouvé ça dans Fraps. Enfin peut-être dans les logiciels de montage où on peut régler ça, je ne sais pas du tout. Donc il faudrait que j'essaye de tester un petit peu plus Fraps en détail, parce que voilà, Camtasia, c'est fort appréciable quand on commence sur YouTube, mais Fraps, c'est beaucoup mieux que Camtasia Studio, à mon avis. Oh la vache, je suis battu vraiment facilement. Vas-y, dégage. C'est vraiment très très mal, hein. Gon, là, il est un peu kawaii, mais... En plus, c'est tellement petit que tu peux même pas le frapper avec tes pieds, je veux dire. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais casse. Oh là là, mais c'est quoi ce délire? Eh mais casse-toi toi, je vais te péter la tête moi. Regarde-moi ça, je peux même pas le tuer. Mais non mais vas-y, casse-toi avec ta coup de, avec ton coup de queue là. Oh oui! Attendez. M'attaque pas, non putain, m'attaque pas, je t'ai fait quoi bordel? Bon, on va faire un game over pour vous montrer. Pour vous montrer que voilà, je suis vraiment une grosse merde à Tekken. Même si j'ai débloqué tous les personnages. Donc on va faire Tekken Force Mode. Bon, c'est un peu le mode aventure, bon il n'y a pas d'histoire dessus, mais bon voilà. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme perso que j'avais kiffé? C'est Yuharun. Ah ouais, je l'ai kiffé. Donc c'est un peu comment dire, c'est un peu comme un Street of Rage où vous avancez et vous vous battez contre des ennemis, donc vous avancez sur une surface du terrain, donc un peu en mode scrolling hein, et vous voyez que je me fais littéralement exploser par ces petits c'est des policiers. Non mais dégage.
Voilà, moi je le fais. Alors j'adore ce perso parce que vraiment il a une grande variété de coups. Surtout au niveau de ses pieds, il peut faire des techniques de psychopathe là. C'est vraiment trop appréciable ce truc. Donc je suis vraiment très très nul, hein, je m'en excuse, mais voilà, je me suis pas entraîné hein, pour vous. Voilà, technique de malade, psychopathe, voilà, magnifique. Allez, c'est parti, alors toi, vas-y, il s'appelle le Crow et Falcon. Falcon, à mon avis, c'est le vert, allez, vas-y, casse-toi, moi je te démonte, allez, tiens, tiens, dans ta tête, allez, c'est parti. Allez, on continue, alors on peut avoir... Comment on... Ah, voilà. Et on peut récupérer des morceaux de gigot, de poulet, de tout ce que vous voulez, enfin, en gros, pour votre vie, en fait, pour regagner de la vie, plutôt. Et voilà, donc vous voyez que je suis très très fort avec Your One. Attention, casse-toi. J'essaie de faire une technique spéciale, mais je me rappelle plus trop les techniques spéciales. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Dégage. Bon, un coup, ça se trouve, c'est fini. Et à la fin de ce niveau en question, vous pouvez vous battre contre un boss, donc un boss de Tekken éventuellement. Donc quand j'étais petit, j'ai fait jusqu'au niveau 3, je sais pas combien il y a de niveaux disponibles. Mais j'étais vraiment jusqu'au niveau 3 et là je sais pas, même pas si je vais réussir le niveau 1. Et après je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vais bientôt aller à l'hôpital, donc rien de grave, hein, vous inquiétez pas. C'est juste... Allez, dégage. Vous voyez que les boss, ben, c'est ça a la même durée de vie, la même durée de jauge de vie plutôt. Et là on va essayer de le tuer avec une technique spéciale les amis. Allez, tac, je te craque. Je te craque ta tête, attention, allez dégage, oh oh, allez dégage mon pote, t'es fini. Voilà, je t'ai pété la gueule, donc je vais essayer de prendre le petit gigot là. Ah, on peut plus prendre le petit gigot, enfin le petit petit gigot, petit poulet, c'est ça. Voilà, nous allons faire le stage numéro 2, allez c'est parti, donc je passe. Ah, en fait, je crois qu'il y a 4 stages au total, je ne sais pas. Et là, la diversité change radicalement. Oh là, casse-toi. Et j'ai regagné un petit peu de HP, donc un petit peu de PV plutôt. Toi tu vas te dégager, voilà, je te vois même pas, donc je te tue. Tu vas dégager mon pote, parce que moi je suis un psychopathe, voilà. Voilà, tu me vois plus, moi je te vois. Allez, alors, vous pouvez sauter, vous avez plein de techniques comme je vous ai dit, je les connais pas toutes, hein. Jack, les techniques spéciales, j'arrive même pas à les faire. Parce... Allez, viens là, attends, est-ce qu'on peut... je crois qu'il y a des parades aussi, hein, enfin la défense. Ouais, casse-toi. Voilà. Yorand, je l'aime beaucoup, Yorang, je sais pas comment on l'appelle ainsi. Et vous avez, ah oui, j'ai oublié, je vous avais oublié de vous dire qu'il y a le temps disponible en haut milieu en fait. Donc il faut que vous vous dépêchiez parce que sinon ça sera un peu le game over je pense. Vous avez qu'une vie hein, donc c'est vraiment du survival en fait. Non mais dégâts, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Attends, je vais te prendre ah ouais, je fais des super bruitages. Non mais oh là, dégage mon pote. Eh non 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 non, oui c'est bon, je suis pas mort, je suis pas mort les amis, on peut peut-être survivre encore un petit peu. Dégage. Allez, prends le morceau de gigot là. Allez, prends le morceau de gigot. Ah, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir les amis. Non, bah je suis mort comme une merde. En plus il y avait le poulet juste à côté. Donc les amis, on va s'arrêter là. C'était vraiment une petite vidéo. Je m'en excuse que hier j'ai pas pu paraître la vidéo. Donc vraiment je m'en excuse. J'ai vraiment pas pu la poster. Donc je vais essayer de poster cette vidéo ce soir. Donc nous sommes le jeu, c'est quoi, nous sommes le mardi 18 juin. Donc je posterai cette vidéo ce soir après que j'ai été à l'hôpital, etc. Donc je pense aux alentours de 20h ou 21h. Et la vidéo que je dois faire maintenant, donc ça sera Pokémon version jaune. Allez c'est parti, donc on va se laisser là les amis. J'espère que tu as aimé cette vidéo un petit peu courte, je m'en excuse un petit peu. Bah, si tu as aimé tu peux liker, si tu peux me donner des conseils, je sais pas, aussi pour les abonnés hein, si par exemple ils veulent jouer à ce jeu, pour leur donner des conseils etc. Bah, ça serait vraiment sympa de ta part de laisser un petit commentaire si tu as aimé, si tu veux essayer d'aider les abonnés etc. Et tu peux éventuellement t'abonner si tu trouves que les vidéos sont intéressantes, que tu aimes mon charisme. Non, je me la pète un peu, non, je le plaisante. Si tu as aimé cette vidéo, c'est l'aspect que je fais, etc. Donc, merci à vous d'être plus de 622 personnes. Et 622 personnes, ça fait quand même... C'est quand même énorme, donc je vais faire un concours. Donc je le ferai sûrement ce soir, le concours, donc pour gagner 10 jeux et volants.
et pour mettre en place mon Game Capture HD, le C281, pour vous l'offrir au tirage au sort ainsi que les 10 jeux évoluants. Voilà tout, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la suite de ces prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!